Salut les amis, comment ça va? José et Blanche Bailly se lancent des piques sur la canne parce que la Côte d'Ivoire a fait match nul hier. Cameroun aussi aujourd'hui a fait match nul. Donc les deux se lancent les piques seulement. Aussi écoutons, regardons jusqu'à la fin. C'est José qui fait les commentaires. Donc doucement, merci. Tu veux te moquer? Vous allez être surpris. Ce qui va se passer à votre... Je regarde qui même. Cap Vert. Je vais voir ce que Cap Vert va vous montrer. Donc, José va bien se détendre de base et après, elle va regarder le match du Cameroun. Elle va faire les commentaires de fort. Et après, les écoutons. Un but là, un but. Puisqu'on entre à l'instant dans le temps additionnel de cette rencontre. Rambonguissa pour jouer ce coup franc. Théorie, c'est pour lui. Ouais, j'ai l'impression qu'il est. Moi, ce qu'il frappe un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il est parti pour frapper. 3 minutes supplémentaires, on est déjà dedans. Il y aura plus beaucoup d'opportunités. Faut tirer, on va avancer, papa. Pour le Cameroun de gagner le match, Jean-Bourguissa dans le mur, c'est mal frappé. La deuxième chance. Oh, le ballon traîne devant le but, ça rebondit. C'était cadré, hein, la frappe de Maï. Le Cameroun va aller chercher ses victoires là, dans les derniers instants. Oh my god! Et ça fait très très mal au Cap-Verdien qui, eux, l'avance se contente, la tienne ce point du nul parce que la fin de match n'est pas simple pour le Cameroun. Notre lecteur sortante est encore beaucoup de monde. On sort dans les airs, le Cap-Verdien, le tir! Oh, le gardien figé! Et ça passe à côté! C'est parce qu'il a vu que ça n'allait pas rentrer, il n'était pas figé. Ah, c'est passé tout prévu. But de la gagne pour le Cameroun. Quelle frappe de Clitorgé. Elle a été détournée, mais elle prenait le chemin du but, j'ai l'impression. Attention, ça pousse. Et Asiliki. Pour ce corner. Au deuxième poteau, Mosinia a réussi à écarter le danger. Ça, je peux vous dire que ça fait du bien. Un gardien qui a le coup. J'ai suivi le match de mon cabas. Yes. Blanche Bailly, ma soeur du Cameroun. La Queen Mimba. Elle se moquait des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'elle disait? Une petite équipe comme ça vous gagne. Petit rectificatif. On a fait un match nul. Elle me dit, ah vraiment, vous avez fait un match nul. Un match très nul. J'ai dit, vous allez voir ce que le Cap va vous montrer aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez fait un match nul. Blanche Bailly est appelée combien de fois? Aujourd'hui là, son comment? José, pardon, c'est bon, je dis plus rien, ça va, pardon, hein.